D'après nous, sur le magazine financier investi, une émission que nous produisons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, sur plusieurs stations radio à travers le pays, et également sur télévision, pour Fin TV, qui permettent que nous capables de voir n'importe qui le dit. Nous avons parlé là de situations difficiles, de ça, les risques. Eh bien, pas grand à faire des bon Dieu, bon Dieu, mais toute petite, le vrai, mais tout le monde est capable de victime. Donc, il faut que c'est nous-mêmes qui utilisons des outils, des armes pour ça capable de faire. Et meilleure façon pour faire, c'est un instrument et les budgets pour capable arriver financièrement, protéger tes tout, pour capable réduire la crise la frappe sous, mais pour capable réagir positivement à lui-même. Donc, voilà, tant qu'on y a là, il y a un débat qui a fait, parce que mois d'octobre en général, le pays qui yo même qui pas fait budget le 1er octobre, eh bien, en mois d'octobre, il a commencé discussion budget. Yo. Et c'est même bagaille Haïti était supposé. Oui. Nous-mêmes, nous pas même faire discussion dans le budget que nous gagnons ça, parce que le gouvernement arrivé au dernier moment, et pas un parlement, pas une consultation qui fait. Or, un budget, c'est un bagaille que tout le monde supposé est capable de participer depuis au commencement jusqu'à la fin. Et 12 mois. Parce que là, l'argent a dépensé, il faut assurer que l'argent a bien dépensé. Pendant même temps, on va préparer le prochain budget. Donc, son cycle 12 mois sur 12 que l'on a supposé. Donc, la France qui a traversé de très mauvais moments, nous rappelons que le président Macron, avant les Jeux Olympiques qui étaient organisés en France, là, eh bien, M. Riton, bonjour, sans le pas dire mon trop bagaille, il a décrété l'élection. Il a décrété l'élection, il a perdu l'élection, il a perdu la majorité qu'il a gagnée au niveau de congrès de parlement en France. Eh bien, zone ça, on connaît que la démocratie a son bagage qui est solide, son bagage côté que parti politique qui est entré, gen gauche, gen droite, discussion. Et c'est ainsi que la France, qu'on y a là, retrouvé avec un technocrate, Michel Barnier, qui est en tête. Li. Mais là, monsieur prend pouvoir récemment, et il faut que le dégât mette budget, et il y a un retard, mais quand même, c'est un retard pour janvier, c'est pas un retard pour octobre. Donc, eux-mêmes, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. À côté de la République dominicaine, c'est même bagaille. Budget était quand même préparé fin septembre. 1er octobre, ils ont déposé le budget au niveau du Congrès dominicain. Ils ont préparé le pour octobre. Donc, qui voulait dire que, on a remarqué que, normalement, on était supposé qu'un budget depuis pendant l'été à préparer pour que 1er octobre, l'y lancer. Donc, entendez, parce que nous allons prendre Kassa en France, et nous allons comparer avec nous-mêmes comment on fait le budget et comment on gère. Ça n'est pas capable de brûler l'organisation publique, nous, et nous allons comprendre également pour qui ça que situation aussi difficile la caille. On a un petit reportage qui sortit beaucoup de BFM TV en France. Ça y est, le gouvernement a dévoilé jeudi son projet de budget pour 2025. Pour amener le bénéfice du pays à 5% l'an prochain contre plus de 6% cette année, il faut trouver environ 60 milliards d'euros. Alors, pour redresser les finances publiques, plusieurs mesures vont être proposées. Voici les principales à retenir. Première annonce concernant les grandes entreprises. Le gouvernement veut les mettre à contribution. Cela concernera les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 1 milliard d'euros. Elles paieront un complément exceptionnel sur leurs profits, ce qui pourrait rapporter 8 milliards d'euros. Et 440 groupes sont concernés. Les plus fortunés seront aussi sollicités. Les 65 000 foyers fiscaux les plus riches vont ainsi payer une contribution exceptionnelle. Cela concerne les foyers avec un revenu de référence de 250 000 euros ou plus pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. Leur taux d'imposition minimal ne pourra pas être inférieur à 20%. Pour les pensions de retraite, elles resteront ajustées à l'inflation. Mais leur revalorisation interviendra avec 6 mois de retard, tandis que les autres aides sociales seront revalorisées normalement. Côté du logement, le gouvernement propose une extension du prêt à taux zéro sur tout le territoire pour les primo-accédants, afin de faciliter l'accession à la propriété. Enfin, le malus écologique automobile sera étendu et augmenté. Le seuil de CO2 émis pour être concerné sera abaissé et le montant maximum du malus va augmenter jusqu'à 10 000 euros. La hausse de la taxe sur les billets d'avion a aussi été confirmée, incluant désormais les jets privés, mais le gouvernement n'a pas encore chiffré la mesure. On a rappelé que l'ENTA passé semaine dernière, budget pour le pays d'Haïti, on a parlé, on a fait analyse sur lui, nous avons montré qui secteur qui recevra plus l'argent. Nous avons montré la catégorisation, hein, ministère de l'Éducation nationale numéro 1, avec quelques 42 milliards de gouttes, 42,6 milliards de gouttes.
TPTC était deuxième avec 39,91 milliards de gouttes. Le ministère de la Justice est troisième avec 36, jusqu'à si on mettait arrondi la bombe 37 milliards de gouttes. Nous allons mettre au sous-titre écran pour nous. En quatrième position, c'est service de la dette qui gagne à peu près 23 milliards de gouttes. Et ministère de la Santé publique qui gagne à peu près 23 milliards de gouttes. Donc voilà, nous sommes capables de dire champion. Nous voilà là, l'éducation nationale. Donc nous avons un budget de quelque 320 milliards. Donc 43 allés dans l'éducation nationale. TPTC allé à 39 milliards. Justice avec comme cap dépensé jeudi à l'affaire la justice à 37 milliards. Service d'être là, malgré que Venezuela a retiré 1,7 milliard de dollars pour nous. Eh bien, nous retrouvons 1,7 milliard. On ça avait dit, on garde 1, mais il n'y a pas 132. Ça va 132 milliards. Quand il y a sous 1,7 là, plus que 5. Ou qui quantité comme 1 milliard de gouttes qui sortit et qui malgré ça fait service d'arrêté assez élevé. Et santé publique retrouvait les mêmes avec à peu près 23 milliards de gouttes. Maintenant, ce n'est pas chiffre. Et trop souvent, les publiés budget, nous pointons du doigt, nous regardons. Ça n'est pas capable de le ministère de l'économie et des finances, dans le budget de la République. Là. Il faut que nous comprenions l'analyse, là, poser beaucoup plus profonde. Il est facile pour nous de dire, ouais, ministère des finances, c'est ceci, c'est cela. Oui, c'est le coordinateur, c'est la dernière donnée. Yo. Mais ce n'est pas lui qui va concocter tout programme, tout plan que tu as supposé gagner. Yo. Et c'est comme ça que nous voulons analyser pour nous le budget de la République, là, pas simplement son affaire de combien de chiffres que nous mettons là-dedans. Mais il faut que l'on gestion, il faut qu'on administration. Et lorsque le résultat n'est pas bon, eh bien c'est à regarder dans chaque secteur qui ça a passé, nous sommes capables de dire dans ça. Donc si nous prenons le budget 2025 des armées en France, puisque nous avons parlé de la France tout à l'heure, nous prenons le qui ça 3,3 milliards d'euros que ajouté sous le budget de l'armée. Donc, puisque nous, la justice, c'est lui qui héberge, ça n'est pas capable de brûler et police là. Tandis que l'armée, c'est la défense qui prend lui, bien que le budget de défense n'a pas augmenté, mais le papa mi, ça n'est pas capable de dire top niveau. Yo. C'est juste qu'il paraît, oui, mais c'est papa mi top niveau. Yo. Mais je ne veux faire comprendre, il est important que nous puissions bien maîtriser, parce que l'argent, c'est le dernier bagage là. C'est comme si nous avons un tournoi pour nous. La tête entonnoir après les visions côté ne voulait aller l'un trou côté là si ne voulait sortir comment pour nous sortir est-ce que c'est code d'apprend est-ce que avoir un bail mécanique pour aller en bas qui stratégique pour l'utiliser comment pour le faire donc qui vision supposé gain et ensuite pour garder mais qui plan qui objectif pour le fixer en quelque sorte parce que chiffre ça on a regardé là pas veut dire rien. Si nous n'avons pas un ensemble d'objectifs, parce que nous disons que d'accord, priorité, c'est qui ça? C'est l'éducation. Bon, on mettait plus comme l'éducation. Priorité, c'est l'infrastructure. Bon, c'est le deuxième poste là. Chiffre, ça définit priorité du gouvernement. Oui. Mais chiffre, ça ne pas montrer comment le gouvernement peut sortir dans le trou. Et ça fait que faut décortiquer, entrer dans le document pour voir qui ça a en tête. Mon yo. Je prends exemple la France là, pour nous, ensuite pour nous descendre, venir atterrir la caille. Donc, on dit que le budget 2025 que la France déposé dans le Parlement en octobre, le budget de l'armée, qui est une priorité, 50,5 milliards d'euros. Donc, qui veut dire que l'armée française, moi je dis pas dans ces 2,5, l'armée française, 50,5 milliards d'euros. Et on doit la pas égal en euros, il faut mettre un petit bail sur lui. Donc, ça, bon, une idée, ça veut dire en quelque sorte. Mais ce n'est pas ça qui intéresse nous. Qu'on y a eu ça représente 2% produit intérieur brut là. Lors d'analyser budget, il bien qu'on y prend shift que a alloué à secteur. Après diviser le qu'on y a là par qui ça, on va le diviser par richesse pays. Donc 50,5 milliards d'euros représentent seulement 2% de richesse que la France créée en quelque sorte. Mais attendez bien, il y a 700 nouveaux emplois qui pourra le créer pour capable arriver exercer tout bail ça 700 emplois ou bien d'où qui pral fait le fait qu'a mettre l'agence ça là et tendez combien moun qui gagne dans l'armée française là et ça m'a bien prend chiffre ça pour aller regarder par la suite le budget par nous est-ce que mettez information ça parce que toute information ça c'est important
Donc l'armée française là, qui gagne 50 milliards d'euros de budget, il gagne 271 117 civils et militaires. Donc 50 milliards d'euros, ça nous est combien de monde qui a vivre de lui et qui a metté ça n'est capable de organisation en place pour atteindre le résultat pour protéger espace je n'est capable de brûler pour l'armée. Gouvernement by budget et nous dit là budget à 3.3 milliards d'euros, budget à 50.5 milliards sans pension, pension moun qui parle là mais ak pas actif par là dedans. Bon, premier ministre là annoncé et ça c'est lui besoin arriver à lui-même annoncé que la loi de programmation militaire serait appliquée. Ça tout aussi important. Je dis à le budget n'a pas rien qui montre que bon même s'il pas ta en loi parce qu'il pas gain institution et le parlement mais tu as supposé un décret de programmation militaire pour nous capable connaître que l'argent ça me va dépenser à qui objectif stratégique qui objectif spécifique comment on va arriver à atteindre résultat. Donc nous pour comprendre que gestion c'est ça lié donc c'est pas l'argent qui parle bon résultat. Il faut que l'argent aille derrière un plan, derrière une programmation. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Je dis, le gouvernement n'a pas foutu mettre pour nous, pour la dingue, que bon, ok, d'accord. Et mes décrets, programmation, sécurité, nous n'avons pas de fonds sécurité, vous voulez créer, même si vous avez un FN, vous voulez fonds FNS. Mais lever l'argent, c'est une. Mais comment l'argent peut porter résultat que vous cherchez? Et vous prenez le temps de m'appeler pour nos textes français, toujours. Ça veut dire que le ministère doit faire attention à ne pas générer des doublons, à bien regarder les structures de marge des industriels. Donc, c'est pas comme ça on écrit, on va mettre l'argent. Non, mais quand on va mettre l'argent, comment l'argent va le dépenser? Ça va le faire. Donc, loi ça, va le faire tout programme de réarmement, parce qu'on connaît ces jours, si on laisse frapper entre l'Europe avec la Russie, et la Russie considérant dans l'Europe là tout. Et là aussi, Poutine, quand on prend plaisir avec Macron, comme s'il n'y pas considéré monsieur comme grand chose, il n'importe qui l'a qu'à la guerre, quelque bagage sous tête ou tout. Donc, il y a même tout. Il est obligé à prendre précaution et tout. Et parfois, il y a une nuit qu'on tout, il y a le poté zam aller en Ukraine. Et Poutine, quand on pousse pointe, d'ailleurs, il y a un replacé. Et en Russie, il y a même là, un interview de la télévision française. Mon cher, monsieur était allé très, très, très fort lorsque monsieur a comparé ça. Donc l'année 2025 sera une année charnière de mise en œuvre de loi et réarmement, selon le ministère de la Défense. Le budget des grands programmes d'armement doit progresser de 16% et atteindre 10,6 milliards d'euros, tandis que les dépenses dites d'entretien matériel, est-ce que tu aimes ça utiliser le langage nous-mêmes, pas beau ici là. Lorsque y a porté Zamba ou y a porté tout gros bagage ça ou bah on va acheter avion, hélicoptère pardon, on va acheter tout. Mais entretien c'est bon bah nous faut là dedans et nous voilà comment que loi programmation prévoit ça parce que du entretien matériel là sont axes majeurs de loi programmation militaire en France et stabiliser autour de 5.9 milliards d'euros et à bon information pour montrer pour justifier que l'argent ça ne va le dépenser là mais des monde qui va le vivre de lui 700 emplois qui pral créer, m'te dit nous tout à l'heure là. Donc, yo dit, avec le développement de la future génération de sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, ou encore le futur nucléaire aéroporté, les dépenses liées à la dissuasion nucléaire augmentent de 8% à un peu plus de 7 milliards d'euros. Des efforts seront également faits en faveur de l'intelligence artificielle et de la fidélisation. Ces 100 nouveaux emplois, 700 nouveaux emplois, pardon, seront créés pour atteindre un total de 271 117 civils et militaires. Côté livraison, l'armée de l'air doit notamment recevoir 14 avions de combat, Rafale, et 12 avions de chasse, Mirage 2000-D, rénovés. La marine, un bâtiment ravitailleur. L'armée de terre, 4 drones, patrouilleurs. 308 blindés dans le cadre du programme Scorpion, Charles Leclerc, rénové. Griffon, Jaguar et Serval, ou encore 8000 fusils d'assaut. Alors que les 16 milliards d'euros doivent être consacrés aux munitions au cours de la LPM,
Les armées recevront en 2025 un nombre non précisé de missiles anti-aériens Mistral, Mika et Astraire, des missiles anti-chars de courte portée, des missiles de croisière Scalp dont plusieurs dizaines ont été fournis à l'Ukraine, des kits de transformation de missiles anti-navires Exocet et des torpilles lourdes. Alors pour qui ça me prête pas ça à la France? C'est pour Materi Bolakaipam, pour nous faire un coup d'œil dans ça que nous-mêmes n'a parlé de priorité ça, nous trouvons là, combien de cobiométés qui augmentent considérablement. Et nous allons regarder qu'on y a là, en deux ministères par nous, nous avons des chiffres bien déterminés pour chaque baril, combien de monde qui va le gagner, nous montrer ce qui va passer. Chiffres, ça, c'est chiffres consolidés. On regarde les objectifs que nous-mêmes nous fixons tête nous, pour nous, ouais, ça ne baille. Là, comme là, mais Haïti a. Li apprend l'ol nous prend police nationale là puisque c'est lui qui parle soit pi fort l'argent l'autant dès que budget ministère de la justice a augmenté comme ça pi go maman cobla li pour aller vers la police nationale en dans des objectifs yo du côté de ministère de la justice réviser les lois organiques du ministère de la justice et des structures rattachées et les soumettre en conseil des ministres renforcer les capacités des forces de police notamment en évaluant et en optimisant l'utilisation du personnel, des équipements et matériels de l'institution policière, tout en renforçant sa gouvernance. Nous ne pouvons pas un chiffre là. En aller. Améliorer l'exécution des décisions de justice et accroître la crédibilité de la justice. Renforcer la lutte contre la criminalité, notamment l'enlèvement et la séquestration par une mobilisation nationale constante impliquant les acteurs publics et la société civile. M'appelez pour nous, objectif ministère de la Justice qui héberge police là et qui a dit mais qui ça a intention fait dans 12 prochains mois. Assurer le traitement égalitaire des justiciables et l'effectivité de l'indépendance du juge de l'information ainsi que la communication en matière judiciaire. Intensifier la lutte contre l'insécurité et la prolifération des gangs armés pour une meilleure protection des vies et des biens des citoyens. Améliorer les conditions de détention et respecter les droits de la personne détenue à travers la construction et réhabilitation de prisons. Pas un chiffre qui marque combien de prisons vont réhabiliter. Améliorer les conditions de détention pardon, et de respecter les droits de la personne détenue à travers la construction et réhabilitation des prisons. Je dis ça déjà. Moderniser les infrastructures judiciaires à travers le renforcement des capacités des cours d'appel et tribunaux de paix. Combien de cours d'appel? Combien de tribunaux de paix y a sur l'ensemble du territoire national là? Renforcer le système d'état civil en modernisant le registre civil en Haïti. Nous connaissons une plus grosse faiblesse, identification moun nan pays ça, état civil là. Renforcer le contrôle du bureau d'état civil et consolider les efforts de formation des officiers. Redéfinir le plan d'opération visant au démantèlement des groupes armés et criminels à travers le pays. Combien oyé, qui côté oyé? Renforcer l'effectif de la PNH en compétences et adapter la qualité de la formation des policiers. Combien de policiers qui viennent dans la police nous aujourd'hui à la? Renforcer la réglementation et veiller au contrôle des compagnies de sécurité privées, conjointement avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. En fait, combien nous sommes capables de dire ces compagnies de sécurité privées qui existaient sous territoire national là? Mettre en place un parquet financier national spécialisé en charge de la grande délinquance économique et financière et un parquet de lutte contre la criminalité transnationale. Veiller à l'évaluation et à l'actualisation du système d'identification des électeurs, réformer les parquets et près des cours et tribunaux de première instance pour les rendre plus efficaces. Dis mes amis, ça me saute là, si une jambe un chiffre, même une. Et me saute, si t'es pour nous en France, qui aborde tout détail, combien d'employés, qui gagne, combien pour l'ajouter, combien d'emplois pour le créer, combien de missiles pour le et va le mettre en place. Combien fusils mon sont pour nous là? Sou pas capable de mesurer ou pas capable de gérer. Donc, le budget, on a parlé de toute partie financière là, que nous avons critiqué le ministère des Finances. Mais là, nous parlons que sectoriellement, pays a pas gain objectif là. Ça c'est que ça. Son examen baccalauréat ou aller là jusqu'à présent tu m'a fait félicitation. Je veux ceci, il faut cela. Oui. Donc
mais une grosse faiblesse qui gagne dans le budget. Non? Parfois, on concentre non à faire pas gagner assez comme déficit budgétaire. Mais ou pas capable de faire service. Bon, lorsque, par exemple, l'année a fini en octobre 2025, comment on peut évaluer si la police a fait un bon travail ou bien s'il fait un mauvais travail? Puisque, on lit encore, améliorer l'exécution des décisions de justice et accroître la crédibilité de la justice. Comment on peut faire connaître si la justice a une plus crédible? Comment on peut faire connaître que la décision de justice est bien prise? Si pas des chiffres, donc le management que prendre pour nous, sous pas mesurer ou pas gérer. Donc j'ai pas payer ça pas gérer là. On pas qu'à dire ministre là, on pas qu'à dire chef police là rien non là, l'aime fin accepter ça là même. Et papa c'est que c'est pas dans le parlement que ça fait non. C'est un bail qui est presque normal oui. Et c'est pas rien à demander bail ça. Et là on aurait les trucs ça. Université l'État d'Haïti. Université a plein, ouais, c'est 2 milliards de gouttes de balle simplement. Mais université a, qui a un somme de centre de formation, bon côté où les INAG, qui ça fait, c'est gestion fait là-dedans. Là, on parle de gestion, on parle de qui ça? On parle de stratégie, on parle d'opérationnalisation, c'est ça qu'on appelle INAG. Oui. Vous savez, dernièrement, je me dis quoi, que il faudrait que la faculté des sciences te vende service à building qui gagne l'université après pour payer le boulot. Gardons le marché qu'il a pour l'Université d'État d'Haïti, pour le Tachita, avec chaque ministère ça là, pour le faire plan stratégique avec eux, pour le gagner opérationnalisation. Et nous, ouais, il n'a pas parlé de gestion. Donc, tout le monde qui sont dans la guerre, ce n'est pas seulement pour le travail, le côté de l'activité qui a l'argent simplement, non? Mais l'armée, la police, ou maintenant, on ne peut pas faire là du tout. Donc, les films bon, toutes les âmes pour déplacer. Bon, un bon bail bien simple. Mais par exemple, à regarder la police nationale avec toute l'armée que tu as déplacée qui peut aller pour sonder. Est-ce que sont bons militaires qui simplement le convoi? Bon, lorsque M. Damio arrive, parce qu'il faut dormir, il faut être dans la zone, non? Comment il mange? Si il y a un blessé, il y a un infirmier. C'est question à poser par ma compagnie, non? Mais je pense que le policier est capable de répondre. Parce que si le policier a venu pour sonder, l'oubli de dormir pour sonder, comment va le manger là? Chez Jambé? Donc, il faut comprendre que la gestion son bagage scientifique lié. Et ça, vous mettez devant nous là, parce qu'on a fait une analyse très scientifique. Ne pas critiquer juste pour critiquer, pour nous dire, ah, mon n'y a pas besoin. Non. Même si vous montrez là, je prends budget de l'armée en France et au bord exactement mais objectif chiffré qu'on y a lorsque l'année a fini par inquiéter ou non il va aller les ministres de la défense en France là il va mettre le chit dans le parlement pour dire monsieur que d'accord ou bien madame d'accord parce que qu'on peut faire tout pour regarder est-ce côté atteint objectif côté bayo mais là pas aucun objectif on pas capable dire ni ministre de la défense qu'il a fait la mer ni la police nationale pour me juger sur quoi que ce soit parce que moi que je dis renforcer l'effectif de la PNH combien moun ki la dedans en compétence qui niveau de compétence se gagne et adapter la qualité de la formation des policiers beaucoup j'aime qu'attendre que yo dit combien policiers qu'al nan Biden combien crété la kounya là dans qui état que lié et qui recrutement qu'a fait jodi a yo bay aux zamb américain te bay tank travail toute qualité bagaille combien gagne est-ce que nous gagne également mécanicien d'ailleurs si on déplacer par le poisson d'air c'est pas seulement mon cap manger non logistiquement de tout si on panne qui prend gagne mécanicien pour manger tanker donc tout élément ça c'est à prendre en considération comme c'est une priorité gouvernement mais je dis à nous-mêmes nous pas qu'à évaluer si ça passe bien. On pousse selon l'autre. On a l'éducation nationale, puisque c'est lui qui a le plus gros cobla dans le budget. On garde l'objectif ministère. Bon, ça c'est l'éducation. Je suppose que le ministère est plus bien géré et il va mettre des chiffres pour connaître combien de monde qui va à l'école, ça peut le faire. On fait exercice là. Reviser la loi organique du ministère et des structures rattachées et les soumettre pour validation en conseil des ministres. Renforcer les capacités de planification, de suivi et d'évaluation du ministère par la mise en place d'un système d'information fiable
est régulièrement alimenté par la prise de décisions stratégiques. Bel mot. Et c'est ça que management, là, vraiment. Mais si elle annonce que c'est qu'on y a pas de renforcer ses capacités, donc tout annonce que travail là pour qu'on fait. Établir des cartes scolaires pour les niveaux préscolaires, fondamentales, secondaires et centres de formation professionnelle dans toutes les communes du pays. Bon, ça, nous connaissons les réveillés, c'est plus gros matin à battre tête, non? Avec 49 milliards de gouttes, on va foutre, faire 4 scolaires, ensuite pour capable, dans toutes les communes du pays, il y a plus que 147 communes qui mettent en place là pour nous faire travailler ça. Faciliter la participation des acteurs du système éducatif aux efforts de rétablissement de la paix, de la sécurité, de l'ordre public. Restructurer les curricula et programmes en fonction de la nouvelle vision éducative. Assurer l'accès équitable et la participation de tous les enfants à l'éducation préscolaire et fondamentale. Accroître la part du secteur public dans les deux premiers cycles du fondamental à travers la réhabilitation d'anciennes écoles et la construction de nouvelles écoles. Appuyer de concert avec le ministère de la Santé publique et de la population, les écoles, notamment celles des quartiers à risque, dans la prise en charge de la santé mentale des enfants et des enseignants. Renforcer l'enseignement supérieur par le recyclage des professeurs et des corps métiers. Améliorer la réforme de la gouvernance du secteur en finalisant le processus de recensement des écoles, des enseignants et des élèves à travers le système d'information et de gestion de l'éducation, permettant aux écoles d'avoir des accréditations requises et aux élèves et enseignants les identifier nécessaires. Donc, imaginons que ça veut dire que chiffre ça ne peut pas exister. Donc, le ministère n'a pas connu combien l'école ligue, pas connu combien d'enseignants, combien Kalan Biden, combien qui était, qu'est-ce qu'il y a dans la salle de classe, qui certification que vous avez. Améliorer les fournitures de services de cantine scolaire. Là encore, mon autre gros marché potentiel. Et ça, secteur privé et moun qui le secteur agricole là, c'est une bagarre qui t'a plus supposé bien intéressé. Veiller à l'application de la loi sur les frais de scolarité permettant de supporter les parents d'élèves les plus vulnérables. Là, nous pas besoin de faire loi sur les frais de scolarité. Ministre, ça gagne pour faire, c'est pour nous connaître exactement comment pour nous contrôler l'inflation et qu'on y a varié prix en fonction de l'inflation. Alphonse loi pas fit à pas prendre là, c'est blague. Nous avons dit dernièrement comment que ministre là était carrément. Il n'est pas supposé payer plus qu'un montant bien déterminé. Il a calculé pour nous en dollars américains, 11 dollars américains par tête d'enfant en dans l'école publique. Et c'est un début d'année. Donc même si tu as 1000 timoun en dans le lycée, ça fait 1000 multiplié par 11, dis-moi comment tu vas nettoyer le lycée. Dis-moi comment tu vas bailler service de base en dans le lycée avec 11 dollars américains par tête d'élève. Donc voilà encore. Regardez le ministère de l'Éducation nationale là, regardez comment que vous présentez ça, mes objectifs là. Pas grand chiffre qui peut dire exactement qui quantité de monde qui dans l'école, dans quelle situation gagne, combien qui dans situation refait classe, combien. Une variable de fait pour nous dernièrement, Dominicaine était fait sous frontière là, qui est extrêmement important pour nous. Combien quitter l'école, combien jeunes garçons, jeunes filles depuis 2020 par l'école encore, et qui côté où est. Mes amis, nous n'avons pas qu'à faire littérature dans la gestion moderne. Gestion moderne, il faut qu'il y ait des data, il faut qu'il y ait des données. Et données, ça, il faut transformer en information. Ce n'est pas dit qu'on a dit là, non? Parce que, deuxième point, il y a tout ça pour ta supposé fait. Système d'information fiable. Et le ministère a montré qu'il n'y a pas un système d'information fiable à travers cette appli là. Recensement, il n'y a pas qu'à faire là. Il faut une connaissance dans le secteur. Et il faut dire à la population combien d'enseignants gagnent, combien de policiers gagnent, combien pour nous garder au per capita. Et pour nous faire des benchmarking, pour nous faire une étude comparative, pour nous dire ok, d'accord, bon, nous comparer combien de policiers par habitant qui gagnent en Jamaïque, combien gagnent en Cuba, combien gagnent en République Dominicaine, et pour nous garder pas maintenant. Donc si le paiement est beaucoup plus élevé et moins résultat, eh bien, il faut augmenter pas maintenant tout. Et côté mon cas, je veux une cob pour mon augmenter pas maintenant. Donc, mon bon chiffre, supposez que j'ai 100 policiers par habitant. Eh bien, est-ce que 100 policiers sont capables de bon service que je cherche? Son chiffre, je ne pas ça. Et c'est comme ça que vous faites gestion. Ça, c'est le benchmarking. Et c'est la gestion moderne. Je dis à Nabga des budgets, sur l'autre angle que je ne prends jamais. Parce que je suis toujours venu me prendre chiffre pour nous, pour me dire, mais combien de cob qui parle tel côté, mais ceci, mais cela. Mais je dis à montrer. Et nous, même population, mais ça n'a acheté le même monde qui a dirigé nous.
Et pas sentir coupable, non? Il faut déposer dans le Parlement comme ça tout. Parce que nous-mêmes, nous sommes observatoires. C'est tout le budget, nous avons suivi tout le temps. Oui? Donc, un parlementaire qui a reçu un budget comme ça, la commission d'éducation, la commission et finances publiques, un parlement pour voter son bagage parce que pour ratifier, il est tout aussi coupable que accepter, il vient déposer la caille. Et ça, nous pas qu'un ministère finance responsable, c'est chaque secteur qui a fait par eux. On fait un petit coup dans le travail public. Ça, je pense que nous avons un chiffre. Parce que c'est route, c'est ingénieur là, ingénieur habitué à donner, habitué à chiffre. On peut avoir public. Objectif pour l'année fiscale 24-25. Réviser les lois organiques du MTTC et des structures attachées et les soumettre au Conseil des ministres. Finalement, si échantillon, ça va le montrer nous. Première leçon, tout le monde a même bagage. Donc, pas de loi organique qui fait. Et nous avons saisi ça. La plupart des ministres de nos ministères fonctionnent sans loi organique. Oui. Donc, c'est bien notre petit gros bluff là, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de ceci, de cela. Nous allons même faire effort pour nous regarder réellement. Nous finissons faire constitution, comment vous mettez en place. Non? Initier les grands travaux de réhabilitation routière et de construction de nouvelles voies afin de désenclaver certaines zones qui, sous l'effet des bandes criminelles, ont été interdites d'accès. Augmenter le taux de branchement au réseau d'eau potable à partir de la réhabilitation des systèmes d'adduction d'eau potable, SAEP, dans les 10 départements. Accroître l'accès à l'électricité dans les zones rurales et urbaines par le biais de l'extension du réseau, l'électrification de certaines communes, la réhabilitation de la centrale de Peligue, la construction de nouvelles centrales et le développement des micro-réseaux. Mettre en place un système de contrôle de la qualité de l'énergie électrique et améliorer la performance technique et économique du système. Évaluer et réviser les codes maritimes, aériens et miniers. Renforcer le programme d'entretien routier et veiller au bon fonctionnement du fonds d'entretien routier. Que nous n'avons jamais eu un rapport que l'on a sorti, on l'a. Mettre en place un dispositif de contrôle interne afin de rencontrer la capacité du ministère dans la prise de décision, de reddition de comptes et de lutte contre la corruption au sein du ministère. Procéder à l'inventaire, l'étude, la construction et la réhabilitation de voies urbaines, agricoles et nationales et autres infrastructures publiques de concert avec les municipalités et les ministères concernés. Bon, je n'ai pas besoin de la quatrième. Je n'ai pas un poste qui est plus important. Côté gouvernement, mettez plus comme là. Quelle était la justice? Quelle était l'éducation? Quels étaient les travaux publics, les trois premiers de la classe, pas grand chiffre qui sortit. Messieurs, dames, les ingénieurs, grand problème là. Parce que nous connaissons que dans le domaine que nous avons, ça ne fait. C'est mathématiques, c'est statistiques. Nous avons une petite leçon dans ça. Donc, même ingénieurs, pas qu'à dire combien de kilomètres de route que nous avons, quel était primaire, secondaire, tertiaire. Pas il va y avoir un compte en pile pour nous regarder comment pour cap fonctionner. Comment aïe pour cap fonctionner. Tout ça dans le ministère. C'est un ministère pour nous faire changer quelque part là-dedans. Parce que la concentration qui gagne dans le ministère, ça. Un ministre pas capable, en 24 heures, est capable de gérer le ministère. Ça. Tellement il y a des bagages. Il y a une route, il y a de l'eau potable, il y a de l'électricité. Et il y a fait promesse. Et il y a fait promesse. Donc, je dis, le ministère a une obligation pour te dire nous combien. Kilomètres de route qui est. Et m'ka comparer m'to dit d'ailleurs là à République dominicaine qui certainement gros espace qui pi gros passé nous, il y a plus que 40 000 km carrés à 27 000. Combien lié Cuba? Combien lié Jamaïque? Et infrastructure pas arrêté dans route simplement. M'bra le gain portuaire, m'bra le gain aéroportuaire, n'a parlé de code là. Donc mes amis, budget c'est pas concentré sous ministère finance qui a bay chiffre mais c'est pour nous travailler de manière sectorielle et rendre bagala scientifique parce que c'est du management public et me souhaite bonne ligne là donner pour me transformer en information que le te donner infrastructure que le te donner santé que le te donner éducation que le te donner pour sécurité qu'on y a pour une bonne connaissance parce que là moun yo montre que pas une connaissance de secteur courrier et qui parle bon ça n'est capable briller un bon aperçu parce que comment on peut arriver à un résultat ça traverse ce qu'on appelle la prise de décision
C'est ça le management. Le management public, c'est avoir une vision, fixer des objectifs, mettre en place des programmes et des projets, et qu'on y a ou pas prendre décision. Je dis à Sine prend trois ministères ça, l'objectif qu'il a fixé là. Gomba et les costing, ça costing n'a pas. Si on prend chaque point ça, on prend une. Accroître l'accès à l'électricité dans les zones rurales et urbaines par le biais de l'extension du réseau. Combien de monde qu'on a ciblé? Et combien ça coûte pour mettre l'électricité à Kamoun? C'est ça le costing. Si on comptabilise chaque objectif ça, qui gagne pour 24-25, les 12 prochains mois, et gagne qui presque fini là déjà, il faut être capable de dire mais combien de pour atteindre l'objectif ça. Donc si qu'on y a fin li c'est dans budget mi là 24-25 là l'aime fin li ça faut mal entrer nous gain pour nous faire pour nous troisième partie on a prend tout budget pour nous décortiquer pour nous et pour nous comprendre faut engager dans bataille ça parce que l'aime ta prend tout objectif ça gain travaux public là il faut que m'ta regarder quantité combien mettre dans travaux public là avec réellement si m'ta fait tout objectif ça combien la coûter. On va avoir la sincérité au niveau du budget. D'ailleurs, le ministre des Finances a parlé de ça dernièrement, l'interview de Wendell Théodore. Donc, on va avoir un écart. Si je n'ai pas atteint tout objectif, ça, yo, et quantité de cob que je mets dans le budget, je vais un déséquilibre énorme. Que je vais prendre l'éducation, qui besoin de faire cantine scolaire, qui besoin d'un enseignant, bon enseignant dans la salle de classe, qui n'a pas de qualité de l'éducation. Que je vais prendre la police, il faut que je plus de policiers. Il faut me faire entretien. Donc, si je prends objectif 3 ministères, il faut me gagner des trillions, je parle de chiffres déjà ici, 1000 milliards de goudes. Or, nous pouvons même atteindre 400 milliards de goudes au niveau du budget national. Je me rappelle que la République dominicaine, aujourd'hui, a parlé de 1,5 trillion de pesos, qui veut dire 3 fois 500 milliards. C'est ça, un trillion veut dire. Et 1,5 là. 3 fois 500 milliards de pesos que Dominicain mettait sous terre et sous papier là pour budget là. Ou même, ou pour qu'on même atteigne 400 milliards de goud, et goudoua par rapport à dollar 132, pesos par rapport à dollar 60. Donc voilà comment, mes amis, qu'il faudrait réellement, je te parle dans la première partie de l'émission, de tout problème, désastre qui est capable de gagner et un choc qui est capable de goûter. Et pour nous, tout qu'on y a là, le budget à mettre en place et l'objectif que nous avons, donc le fait que nous ne parlions pas entrer dans le détail, donc nous avons écrit des bagages qui n'ont aucun sens. Mais ce n'est pas vraiment normal que le ministère sectoriel continue à publier des documents sans que eux-mêmes n'aient pas fait costing la caille. Et ensuite, c'est pas mettre les objectifs. Ça, son classe à refaire pour le ministère. D'ailleurs, nous rappelons que le Premier ministre a fait une réunion stratégique ou retraite avec M. Damio. Et il y a des feuilles de route qui étaient sorties. Mais nous avons fait feuilles de route. Il faut que le costing qui mette là-dedans. Et ensuite, pour nous, ouais, préférons mettre moins de bagailles ou qu'à atteindre, au lieu de faire un exercice littéraire. Je me dis à tout le monde qui est en baccalauréat, qui dit il faut, comme si on a résolu le problème, il faut. Mais pour nous capables, ouais, mais l'argent, mais objectif, mais qui résultat, mais des indicateurs bien précis qu'il faudra faire. Ce n'est pas vraiment arrogance, non, mais nous ne sommes pas capables réellement d'abjurer mon pays, là, ça l'a montré là. À savoir, les objectifs qui sont fixés, qui ne sont pas rattachés aux fonds qui sont disponibles. Donc, malgré nous, tout est relatif. Nous avons un premier, deuxième, troisième, et nous prenons trois pigoumi et ministère par le bénéfice plus comme là. Et l'en prend ça au digne comme objectif et ça au gain comme l'argent, il va fouti atteindre les objectifs en quelque sorte. Donc c'est à faire ces critiques de manière, nous sommes capables de pour améliorer la question de la population parce que un ministre ou là pour capable de bailler service et je vais montrer nous là, pas de service qui va paraître dans ça. Nous avons espéré. Le prochain budget pour le faire, pour commencer et me retourner encore à l'Université de Haïti. Bon, vice-recteur qui dit que bon la politique publique, eh bien, vous pouvez le vendre service là. Des politiques publiques que vous allez appliquer pour un plan stratégique. Université de Haïti,
ce sera peut-être le plus grand gagnant s'il te bail assistance ça, puisque nous avons des universités à parler comme pour nous au niveau de la dette du côté de la France. Mais si au bon comme là après qu'on y a là ou pas bien aligné objectif ou yo à comme qu'on gagne pour atteindre résultat suivi évaluation, donc ni ça capable faire comme en amont côté que le bras fait plan stratégique avec yo, et ensuite pour faire formation pour gagner meilleur cadre pour opérationnalisation, et en aval ça aurait les suivi évaluation yo, pour garder mes objectifs côté fixé a ou gagner pas atteindre yo, mais pour qu'ils soient pas atteindre yo. Donc petit 2 milliards de gouttes que le ministère plein au Bali pour le payer employer pour le faire machine à fonctionner, il a fait des milliards de ça et il pourra le permettre que pour gagner productivité et ministère pour fonctionner puis bien et l'on paye taxe nous, les résultats seront au rendez-vous. Donc nous on voit que gagner nécessité pour que n'arriver mettre en place une nouvelle administration pour nous bâmer un meilleur service et fonctionner mieux en quelque sorte. Nous avons payé employés plus bien pour nous bâmer un meilleur service et pour nous content payer taxes là et pour nous capable vraiment mettre tête nous sur la voie du développement. Nous pas suspendre ça. Budget a son outil qui est fondamental ou pas capable atteindre développement sans budget. Mais ce n'est pas écrit un budget, ce n'est pas on dit que mettez chiffres à droite à gauche et nous avons complexité budget. Puisqu'il faut ne pas garder budget exclusivement son affaire financière que lié. Moi, je dis déjà qu'il y a un aspect droit là-dedans parce qu'il est supposé respecter la Constitution. Tout ça, c'est opportunité pour les gens qui offrent service à eux. Ensuite, pour mettre en place sur le plan financier et pour faire management là et pour assurer que les gens aient un service que la santé publique, que l'éducation, que l'infrastructure. Et nous prenons quelques cas pour nous avancer avec elle. Nous proposons d'apprendre quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission.